Bonsoir et bienvenue dans Tunnel, vous êtes sur Move, nous sommes le jeudi 7 décembre à Paris, il est 19h, je suis Anna Toumazov et je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine dans cette émission. J'ai coutume de dire chaque semaine ce que j'ai détesté du jeudi dernier au jeudi soir en question. Et cette semaine, j'ai adoré et détesté énormément de choses parce qu'on vit intensément. Mais je les garde pour moi. En revanche, j'ai écouté en boucle Saint-DX parce qu'ici, on vit intensément et je le redis. Et surtout, j'ai redécouvert certaines notes de cet été qui m'ont fait bien réfléchir. Est-ce que vous aussi, autour de la table, vous écrivez dans vos notes iPhone parfois ? Oui, totalement. Et tu retrouves des notes un peu deep après coup ? Ouais, toujours. Et tu t'en sers pour tes chansons Invité Mystère à ma gauche ? Bien sûr. Et à côté ? J'écris absolument jamais dans mes notes iPhone. En revanche, j'ai une conversation Messenger sur Facebook avec moi-même. C'est l'équivalent. Et dès que j'ai une idée, je l'écris dedans. Et du coup, c'est une conversation de moi à moi. Voilà. C'est assez équivalent. Moi, j'ai des énormes to-do list. Ouais. Et tous mes mots de passe. C'est voilà. Ok. Ouais, c'est beaucoup plus utilitaire. Je suis très utilitaire. C'est beaucoup plus utilitaire. Et moi, du coup, donc, ce que j'ai redécouvert cette semaine, c'est cette anecdote donc de cet été, vraiment juillet-août. Et je vais vous en lire deux, trois. Et on a vu que vraiment, il y avait une alternance d'humeur. Donc, on a des notes comme le 23 août à 11h, 23h05. Pendant des années, j'ai vécu au rythme des vies qui se brisaient et parfois dans la litanie, c'était la mienne au milieu. Mais d'usure, habitude professionnelle, je ne voulais pas m'y appesantir plus que d'usage, ça m'a perdue. Je pense que c'était sur ma vie militante avant ma vie de présentatrice radio qui était un peu plus agitée. Le 22 août 2023, à minuit 40, le courage, c'est encore un sacrifice face à ceux qui choisissent de ne pas en avoir et vivre tranquillement. Voilà, on était dans la bonne ambiance. Par contre, le 27 juillet à 21h53, je sais pas pourquoi, j'ai mis dans mes notes, archi drôle qu'en vieillissant, tu puisses finir par t'embrouiller avec des mecs qui s'appellent Jean-Pierre. Voilà, c'était... Ensuite, j'ai mis le 27 juillet 2023 à 20h13. La bagarre, c'est grave aux mots érotiques, souvent. Donc là, je pense que j'étais dans le sud de la France. Ensuite, le 27 juillet, toujours, j'étais très inspirée. J'ai mis « J'ai pas le temps pour un summer love, j'attendrai mon rentrée love ». Et enfin, toujours sur la thématique de l'amour. Et là, c'est quelque chose que j'avais posté sur Instagram. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le relire. Parce que j'entends beaucoup de monde autour de moi en ce moment qui ont des histoires un petit peu bourbiers. Cette émission a failli se concentrer uniquement sur l'amour. Donc je pense que c'est un petit conseil qui peut être assez intéressant. Et ça faisait la chose suivante. Là, nous sommes le 23 juillet, 21h21. Les gens qui croient aux heures miroirs, hein, ça va vous parler et nous allons en parler aussi après. T'as peut-être déjà connu le bon, le simple, l'équilibré. Tu sais toujours pas. Rien n'était assez fort, alors tu continues et tu cherches partout. Dans un sourire dans la rue, un regard quelque part, perdu dans les bars, dans les rencontres, dans les absences, dans un texto, dans un adieu même. Tu t'abîmes pour des lues, pour des sourires éteints, pour un bonjour froid ou parce que ce que tu crois être la concurrence a gagné ce soir. Tu ne sais même plus quoi pleurer dans tout ce que t'as perdu. Alors tu cherches à chaque fois à recréer l'instant de la fin. La brisure où l'âme se décroche du cœur pour au moins le sentir là, palpable, pour te sentir vivant. T'as l'impression de choisir ce qui t'anime et te tue. Tu crois aimer et pourtant j'aimerais te serrer dans mes bras et te dire qu'un jour ça s'éclaire et ça change. Te dire la vérité pour qu'enfin tout s'allège. Tu n'aimes que l'idée de l'amour. Et je suis hyper d'accord avec moi, avec le recul. Et enfin, le 12 juillet 2023 à 11h11 du soir... Il y a vraiment un souci avec les heures miroirs, je viens juste de m'en rendre compte en vous lisant. Vous avez déjà eu une musique dont vous êtes sûr qu'elle vous a aidé concrètement à sortir d'une situation donnée. Et là, je pense que c'était un brouillon pour une story. Et là, j'aimerais justement qu'on s'arrête sur cette dernière note, sur cette idée que parfois des musiques nous suggèrent quelque chose. Et sur ces choses si anodines qu'elles déclenchent en nous des raz-de-marée d'Eureka. Pourquoi en fait ? Pourquoi certains instants nous arrêtent sur quelque chose soudain qui semble nous crier la vérité et nous montrer le chemin à suivre ? Est-ce qu'il y a un hasard ? Est-ce qu'il y a un karma ? Est-ce que c'est vraiment important le fait que ça existe ou non, si tant est qu'on y croit ? Quels sont ces conseils soudains que l'univers semble nous jeter ? Et surtout, est-ce que tout le monde y a la même sensibilité ? Et pour en parler, je me suis entourée ce soir de trois personnalités aux trajectoires éblouissantes. Trois comètes qui font l'actu, avec qui on va discuter de ce que l'on aime suivre comme signaux. Et à ma gauche, j'ai Johanna. Johanna, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonsoir.
Donc je m'appelle Johanna, je suis autrice, compositrice, interprète. Et j'ai sorti mon deuxième album il y a quelques semaines, qui s'appelle Where is the Light. Ok. Et qu'est-ce qui raconte ce nouveau projet, du coup ? Ce projet, il raconte le chemin entre l'obscurité, enfin quand t'es dans la dépression, et du chemin donc de ce point de départ vers la lumière, vers aller mieux. Et voilà, c'est un album qui est très personnel et à la fois qui parle un peu de toutes ces étapes dans lesquelles on peut passer quand on est en dépression. Mais c'est vrai qu'on peut discerner entre ce projet et le projet juste avant, qui était sorti en 2021, ouais. Une réelle évolution, toi, dans ton projet musical et artistique, un réel changement même qui semble transparaître au niveau de ta direction artistique, au niveau de ce qu'on peut voir sur scène. Et on va pouvoir parler ensemble justement de tout ce qui a pu insuffler ça dans ta vie et te faire changer et évoluer. Et je crois que tu as une surprise aussi pour nous à la fin de l'émission. Yes. On en parlera tout à l'heure. À ma droite, Charles de Villemorin, est-ce que tu veux te présenter ? Bonsoir, donc moi c'est Charles de Villemorin, je suis designer, j'ai lancé ma marque il y a un peu plus de 3 ans maintenant et j'ai été à la direction artistique de la maison Rochas pendant 2 ans et si je dois citer une actualité, j'ai signé la direction artistique des Galeries Lafayette pour Le Temps Fort qu'est Noël cette année, voilà. Qu'est-ce que ça symbolisait pour toi ? Parce que là, on voit des affiches avec ton nom un petit peu partout dans Paris. Je ne sais pas si c'est un petit peu partout en France, mais en tout cas, à Paris, ouais. Elles sont dures à louper. Qu'est-ce que ça symbolisait pour toi de travailler sur une période comme ça, festive ? En fait, au-delà du côté festif de cette période, ce projet était très important parce qu'il m'a ouvert des portes vers un monde que j'ai toujours énormément aimé, qui est celui du spectacle, qui est finalement assez différent de celui de la mode que je connais maintenant assez bien. Et donc c'était un signe dans le sens où j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là de ma carrière qui est encore assez jeune, mais ça m'a fait énormément de bien de pouvoir m'exprimer avec des créatures, des décors, et voilà, quelque chose qui sortait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire, c'était très intéressant. Mais tu viens d'évoquer justement les signes, on va parler de toute façon tout au cours de cette émission des signes de la vie et de tout cela à quoi ça nous ramène. Donc, tu vas avoir le temps aussi de t'exprimer là-dessus. Yes. Merci pour ta présence, Charles. Et enfin, à la droite de Charles, qui est à ma droite, Giulietta Piu-Piu. Mais jamais à l'extrême droite. Non, surtout pas à l'extrême. Ça y est, la glissade, il est 19h08. Giulietta, je te laisse te présenter. Eh bien, enchantée. Je m'appelle Giulietta, mon nom de scène c'est Piu Piu. Je suis agent image, DJ et j'anime la nouvelle émission mode de Canal+, qui s'appelle Canal Piu, qui sera diffusée à partir de lundi 11, donc c'est après ce week-end. Tous les mois, c'est une émission de 26 minutes. Est-ce que c'est une date qui te plaisait, le 11 ? Est-ce que tu vois des signes sur les numéros, des choses un peu partout ? Non, mais j'avais juste très hâte que ça arrive. Tu m'étonnes, parce qu'on parlait juste avant du fait que c'est un projet qui germait depuis longtemps, qui a déjà eu des tournages un peu à plein d'endroits, donc c'est quelque chose que t'attends avec beaucoup d'impatience. Oui, j'attends. Au milieu de tes multiples casquettes. Ouais, carrément. Je pense que c'est comme Johanna quand elle prépare un EP, Charles quand tu prépares une collection, quand t'as travaillé pendant longtemps sur un projet, t'as hâte de pouvoir le partager avec les gens. Et surtout, ce projet... on l'a vraiment fait avec à cœur l'idée que les gens apprennent des choses de la mode, d'eux-mêmes, de nous-mêmes en tant qu'humains, quoi. Et j'espère qu'on aura rempli cette promesse et qu'à la fin de chaque épisode, on aura appris quelque chose. Parce que l'idée dans l'émission, c'est de pouvoir parler de mode, mais aussi, en fait, comment est-ce que la mode, elle nous aide à nous raconter. Comment est-ce que la mode, en fait, est intimement liée à notre identité, au regard des autres posés sur nous. Et comment est-ce que les grands mouvements de mode, eux, racontent quelque chose de la société. Donc, on avait, dès le départ, cette envie de pas seulement de parler des hits objets à acheter ou à avoir, mais vraiment être dans une notion de partage ensemble, quoi, autour de la mode, qui est aussi aujourd'hui un grand vecteur de pop culture. D'ailleurs, j'imagine que Johanna, tu fais hyper attention à comment tu t'habilles pour tes clips ou tes shows, et que, comme tu disais, tu as hyper envie de pouvoir partager ton... Charles, ta mode avec les gens qui font du spectacle, avec
ça va au-delà de juste faire des hits produits, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est hyper intéressant justement que tu aies parlé de tout ce processus où tu as l'impression un peu de couver un truc et tu sais déjà qu'il est là et il va sortir. Et je trouve qu'en plus, c'est des périodes où on est justement particulièrement réceptif aux signes. Il y a des gens que ça rend un peu superstitieux, non, je veux pas en parler, ou au contraire, tu as envie de partager pour rendre ça concret. On va pouvoir discuter de tout ça. Tout de suite, on commence notre discussion sur les signes de la vie avec mes invités Johanna, Charles de Villemorin et Piu Piu. Les signes de la vie, on va commencer par un truc très simple. C'est ce truc que font les gosses et que continuent à faire parfois les adultes. Dans la rue, là, cette histoire de marcher sur les lignes, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Et si vous réussissez à ne pas marcher sur les lignes ou si vous voyez quelqu'un habillé en rouge, eh ben, vous allez réussir à avoir tel truc. Est-ce que vous faites partie des personnes qui ont des pensées magiques ou qui formulent des pensées magiques ? Moi, de malade plutôt. Maintenant, j'ai un peu grandi et du coup, je le fais moins. Mais avant, j'étais une psychopathe. Et c'était quoi ton truc fétiche ? Ça pouvait être beaucoup de choses. J'avais un truc avec les bus. Donc, si jamais je voyais un bus 83, parce que j'habitais dans le 13e, il fallait que je fasse je sais pas quoi. Enfin, j'avais genre... Tout était hyper précis jusqu'à... Ah, c'est arrivé très très loin. À un moment donné, j'ai commencé à voir des lapins blancs, donc le vrai animal, dans What? Paris. Mais non. Et quand j'en voyais, il se passait des super nouvelles après. Mais attends, wow. Tu voyais des vrais lapins blancs ? Je voyais des vrais lapins blancs. Ce n'était pas des montées de substances, c'était un vrai truc. Et je voyais des petits lapins blancs devant moi, dans la rue, une fois au parc. Enfin, des trucs de dingue. Et à chaque fois après, il se passait, j'avais une super bonne nouvelle. C'était trèfle à quatre feuilles, vraiment. Quoi. Mais littéralement, enfin, c'était Alice au pays des merveilles, le truc. Waouh, c'est incroyable. Donc maintenant, j'ai une vie banale. Charles, t'as des objets, des trucs un peu que tu vois et tu dis là, je vais avoir de la chance. Ah, mais absolument. Bah, pareil, quand j'étais petit, ça s'est un petit peu calmé maintenant. Pas le lapin blanc aussi, parce que. Non, là, pas le lapin blanc, mais tous ces signes un peu sur l'autoroute, la couleur des voitures. Bah, je pense que, comme nous tous ici, j'ai une espèce de mémoire hyper visuelle. Je suis hyper sensible au visuel. Donc, même ta mère rentre pas d'être allée faire les courses et tu l'attends à la fenêtre, tu t'imagines qu'elle a eu un accident et tout, tu vois les voitures qui passent et tu te dis si la prochaine est verte, c'est que c'est grave et sinon mais ça va. Tellement. Et puis actuellement, enfin depuis que j'ai un peu grandi, j'ai encore ce truc par rapport. Enfin, j'aime bien imaginer que ma vie est un film, ça aide pas mal à relativiser, même quand t'as des problèmes ou quand t'es dans des endroits qui sont pas très beaux et tout, tu te dis c'est un film, c'est normal, ça fait partie du scénario, il va se passer ça, etc. Et du coup, c'est j'ai un peu en trend TikTok quoi. Main character, ouais, c'est ça. Ouais, attends, mais des fois, tu dis que les autres sont des figurants, du coup, dans la rue. Ça peut arriver. Des PNJ. Ouais, j'ai toujours aimé imaginer l'histoire des autres en les voyant dans la rue et tout, c'est un truc que j'adore. J'ai vu un TikTok extrêmement drôle qui disait, mais attends, mais mes frères et sœurs, ils ont une vraie vie, c'est pas juste des personnages voués à perfectionner mon développement dans mon histoire. Dans quel sens ? Mais c'est au sens où en fait c'est une blague sur tous les gens qui considèrent jusqu'à leurs frères et sœurs comme des personnages secondaires qui sont juste là en fait pour illustrer leur vie quoi. Ah oui oui. Ouais. J'ai jamais vu trop ça comme ça. C'est plus imaginer leurs histoires. Je trouve ça hyper inspirant. Enfin, tu peux faire plein de films. Moi, j'adore. C'est super. Mais j'avais une collaboratrice quand elle montait dans une rame de métro et des fois elle me le faisait faire. Elle me disait il faut vraiment que tu te concentres sur toutes les personnes autour de toi et que tu essaies de te dire avec qui, là, à première vue, t'échangerais ta vie. Oh mais quelle horreur, mais quel enfer. Ouais, mais du coup, tu regardes attentivement les gens, parce qu'il y a des gens, par exemple, tu vas, au premier regard, les voir à eux, donc tu vas te dire, oh mon Dieu, cette personne est super bien habillée, super belle et tout. Ouais. Puis après, tu vas regarder, tu vas dire, non, en fait, elle a pas l'air heureuse. Par contre, cette personne hyper discrète, paisible, machin, et du coup, tu regardes un peu tout le monde, c'est hyper intéressant. C'est génial. Ah, j'avoue, c'est trop bien. C'est super. Ouais, mais après, quand t'as beaucoup d'empathie, c'est très compliqué, c'est parce très dur, que tu commences à ressentir tout ce que ressentent les autres autour de toi, et là, waouh, c'est la cata. Ouais, faut pas trop regarder les gens. Mmh. Enfin, si, mais du coup, genre, ouais. À coup sûr, tu tombes sur un... Preserve. Quelqu'un qui est trop mal et genre, tu absorbes toute son énergie et t'es en mode... T'as des anecdotes comme ça, Johanna, t'as vu des gens et ça t'a vraiment rendu triste. Moi, ça me fait tout le temps ça. Tout le temps. Ouais. Ouais. Bah, dans le métro, en plus, je prends grave les transports en commun. Et franchement, genre, il n'y a pas un trajet où, sauf si vraiment je décide de pas caler ce qui se passe autour, mais il n'y a pas un trajet où, genre, je sens la tristesse dans l'aura de quelqu'un, quoi. Enfin, c'est... Les gens sont tristes, c'est trop triste, mais vraiment, genre, dans les transports, c'est... Moi, je me suis déjà évanouie, hein, comme ça.
Ah ouais? Ouais, mais en non. mode panique, attaque. Ouais, panique, attaque. Ouais. De, tu vois, de ressentir quelqu'un qui allait vraiment pas bien et du coup de m'évanouir et tout. C'est un truc. Moi, c'est pour ça que je te dis, ça m'a trop angoissé ce que tu m'as dit. Je peux pas du tout faire ça. Quoi. Bah, après, je trouve que dans le, enfin, personnellement, dans le métro, c'est aussi un endroit où tes émotions, tu vas les, encore plus les faire ressentir parce bien qu'il sûr. Y a un truc de camouflage un peu. Oui, bien sûr. Du coup, quand t'es pas bien, t'as envie de montrer encore plus que t'es pas bien. Du coup, tu fais vraiment la gueule et tout. Quand t'es heureux, tu colles ta tête à la vitre. Oui, c'est ça. Quand t'es fatigué, tu fais semblant de dormir. C'est un peu dramatique. Enfin, je trouve que c'est un endroit aussi où on décupe encore plus. Ah, c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est un moment de vide, un peu de creux dans une journée. C'est un moment de grâce, d'après Nathalie Kosciusko-Morizet aussi. On peut le voir comme ça, bien sûr. Mais moi, je sais que dans le métro, je vais un peu exacerber mes émotions et bien un sûr. Peu les... Voilà. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu veux les communiquer, genre? Quand je suis heureux, peut-être. Enfin, je vais jamais hésiter, par exemple, à sourire ou à même à rigoler ouais, sans okay. faire gaffe. Ouais. Je vais pas avoir cette pudeur-là. Et donc voilà, et sinon, ouais, quand je suis fatigué, je vais faire semblant de dormir. Comme ça. Enfin, c'est un truc okay, de carapace, je pense aussi un peu. C'est marrant. Et est-ce que justement, le fait de. Bah, je pense que Piu Piu, tu vas savoir répondre à cette question. Mais est-ce que le fait de croiser quelqu'un, de croiser un regard, un sourire ou quoi, ça peut te donner un signe aussi sur, sur quelque chose, sur une décision à prendre, sur une inflexion à faire Non, pas moi, parce que en tout cas, Je pense que si on fonctionne comme ça, on se laisse trop porter par la vague. Et je pense que c'est important aussi, à un moment donné, de trouver une certaine stabilité et de ne pas se laisser emporter par chaque courant d'air qui va passer sûr. Et nous traverser. Et du coup, pas forcément. Par contre, ça peut me donner des idées de choses, ouais. Ça peut m'inspirer sur un truc, notamment si je vois la manière dont quelqu'un est habillé. Je me dis, ah tiens, c'est marrant, ou... Si je vois quelqu'un qui fait un truc gaulerie dans la rue et tout, ça peut me faire penser à des choses, mais c'est, je dirais que c'est pas au point où ça va me faire, moi, faire quelque chose, parce que sinon, je serais pas sortie de l'auberge. Et ça mène justement à la question suivante que je voulais vous poser, parce que cette histoire de signe, il y a une espèce de porosité, justement, à tout ce qui nous entoure, etc. Est-ce que vous êtes plutôt du genre, même si tout le monde a un peu une fibre artistique autour de la table, donc je me doute qu'il y a un équilibre, mais est-ce que vous suivez vos intuitions plutôt? Ou vous êtes très dans la raison, Johanna, je te vois acquiescer. Y a une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que l'intuition, elle est là pour une raison, c'est-à-dire nous aider, je pense, à faire les choix qui nous ressemblent. Par exemple, moi, en tant qu'artiste, en tant que musicienne et tout, y a souvent des avis extérieurs qui peuvent me donner... des idées dans la tête qui sont en fait pas forcément ce qui me ressemble et ce qui me fait du bien. Et en fait, maintenant, je suis intransigeante avec ça et je me dis que si je le sens pas, déjà j'en parle autour de moi et je prends le temps de réfléchir, mais si je le sens pas, c'est que c'est pas bon pour ce qu'il faut pas le faire. Donc là, on est presque sur de l'instinct, même plus que de l'intuition en fait. C'est genre viscéralement, tu sens. Ouais. Bah, en fait, si ça me fait peur, si je me pose trop de questions, si. Tout ça, c'est que genre, faut pas y aller. Et nous reprenons notre discussion dans Tunnel avec Johanna, Charles de Villemorin et Piu Piu sur la question des signes de la vie. Et Johanna, justement, tu nous racontais quelque chose d'assez intéressant sur la façon dont tu écoutais finalement tes tripes et ce que tu ressentais assez directement, assez viscéralement. Et je voulais savoir, justement, Charles et Julietta, si c'était des choses qui vous parlaient, ça. Ce fait de ne pas sentir, ou de sentir, justement, les choses, et de parfois, pas forcément calquer toutes ces décisions là-dessus, mais en tout cas, se permettre de pouvoir faire un pas en arrière quand quelque chose ne vous semble pas bon instinctivement. Ouais, moi, je suis, en règle générale, je prends mes décisions de manière très, très instinctive. Je suis hyper sensible à ça, enfin, souvent, je me dis, bon, j'ai envie de faire ça, je le fais, et on verra après les conséquences que ça peut avoir. Donc souvent, c'est bénéfique, parfois, ça peut engendrer des problèmes, etc. Mais oui, je suis quelqu'un de vraiment très, très instinctif, ça c'est sûr. Et toi, Julietta, que je voyais hocher la tête? Oui, moi aussi beaucoup. Je pense que c'est hyper important d'être connecté avec son instinct et tout. Et surtout, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'écoutais pas mon instinct après, c'était catastrophique. Et je me retrouvais dans des situations vraiment très désagréables. Alors, j'essaye vraiment de m'écouter, même si parfois,
Le truc de l'instinct, c'est que parfois, on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas expliquer. On n'a pas vraiment une raison d'un point A vers un point B logique. Et pourtant, je pense que c'est hyper important de s'écouter sur ça, parce que c'est là où on arrive aux meilleures choses. Et en particulier, évidemment, sur les gens. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on capte sans comprendre et qu'il faut vraiment faire très attention à ça. Et justement, qu'est-ce qui vous fait dire que quelque chose est une bonne voie ou que quelqu'un est digne de confiance ? Est-ce que c'est des choses qu'on peut expliquer, quantifier ou, déjà, des gens qui sont honnêtes. Moi, quand quelqu'un ment, pour moi, c'est... Ouais, même c'est pire, même mentir sur un truc très, très simple, pour moi, c'est tout de suite, c'est un red flag. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper excitant, de très stimulant, de faire confiance à son instinct et de se laisser un peu tomber dans le vide sans trop savoir ce qui va se passer, que ce soit dans un choix ou dans une rencontre. Je trouve que c'est hyper stimulant, quoi. Toi, tu fonctionnes comme ça ? Vachement, ouais. Ouais. Mais de plus en plus, vraiment. Et est-ce que c'est parce que tu as commencé à plus agir comme ça dans ta vie privée et ça t'apporte dans ta vie pro ou plutôt l'inverse ? Parce que je trouve que nos vies peuvent s'alimenter aussi, les différents segments bien de vie sûr. Qu'on a. Plutôt l'inverse, en vrai. Moi, j'ai toujours aimé le challenge, donc ça a commencé plus dans ma vie pro, où j'ai pris des décisions et j'ai lancé des choses un peu sans savoir ce que ça allait donner. Et au fur et à mesure, ça a découlé sur ma vie perso, où pareil, j'ai décidé de plus m'ouvrir. À la base, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, un peu timide et tout. Et en grandissant, en fait, quand tu as envie de croire en la bienveillance et en les autres, en leur côté incroyable, parfois ça engendre des super belles rencontres. Mais surtout que toi, Charles, au travers de ton œuvre, peut-être que tu as envie de nous en parler plus, notamment le côté performatif, etc. Mais tu livres beaucoup d'intime tout en ayant, comment dire, en faisant preuve d'un truc assez fort, d'un lien assez fort aux autres, pour pouvoir le dévoiler. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Bien comment sûr, t'as réussi à ménager ce lien entre les deux ? Je pense qu'en tant qu'artiste, comme nous tous ici, on se livre tous énormément à travers notre travail. Et je pense que la richesse aussi d'un projet artistique, c'est l'échange qu'il peut y avoir avec d'autres artistes. Parce que du coup, on se nourrit tous les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément et qui est primordial dans mon travail et qui est vraiment très très important. Et toi, Johanna, du coup, sur toute cette idée de bonne voix, de bonne personne, est-ce que tu arrives à avoir des repères particuliers où tu finis par développer des automatismes et te dire, ok, tel type de personne qui agit comme ça, un peu comme ce que Piu Piu disait par rapport au mensonge, ou tu es encore sur un truc très balbutiant et à l'instinct Moi, c'est comme Piu Piu, je pense que j'ai eu des expériences avec un type de personne plusieurs fois dans ma vie, comme s'il fallait absolument que je comprenne quelque chose par rapport à ce genre de personne, tu vois. Donc maintenant, je sais, je le sens direct et c'est de la protection aussi, je pense, mais ouais, il y a des types de personnes que je peux pas. Je reste polie et tout, mais je peux pas. Je m'approfondis pas la relation, quoi. Tu t'en approcheras jamais plus. Et justement, il y a un peu la notion, il y a des cultures où on parle du fait que les gens autour peuvent porter l'œil, justement, si elles sont mal intentionnées, etc. Je voulais vous questionner du coup à ce sujet sur la notion de la superstition. Est-ce que quand vous avez des projets justement qui germent, vous êtes du genre à en parler ? Ou tant que c'est pas sûr à 100% et presque déjà sorti et presque déjà public, on ne dit rien et on voit après ? Ça dépend à qui, non ? Ouais. Ouais. Voilà. C'est ça. Franchement, j'étais en mode, je sais pas. Mais oui, complètement, ça dépend à qui, ouais. Genre les personnes avec qui tu te sens... tu peux être toi-même sans jugement, les gens bienveillants. Tu peux dire dès la naissance de mini-genèse, même l'idée, même pas encore finie, tu peux le dire parce que... En fait, t'es pas en danger, je pense. Mais si tu le dis à quelqu'un qui en fait peut-être t'envie ou je sais pas un truc bizarre en mode ça, je pense que c'est te mettre en danger. Enfin, dans un sens, je sais pas comment dire. Oui, tu peux pas forcément porter l'œil, mais tu parles de gens qui peuvent directement venir court-circuiter en fait d'une façon ou d'une autre. Ouais, court-circuiter ou même te faire changer d'avis parce qu'elle a pas envie que ça se réalise ou qui. Enfin, je sais pas. Mais même sans malveillance, il y a aussi le truc de, à partir du moment où
tu formules quelque chose, ça devient aussi quelque chose qui potentiellement va exister. Et du coup, ça t'oblige quelque part à te mettre un coup de pied au cul pour le faire arriver. Ouais. Et donc, il y a quand même après une pression de que ça arrive vraiment. Et donc ça, c'est aussi un autre truc. Parce que si au final, au bout de 2 semaines, tu changes d'avis parce que tu te rends compte que ton idée, elle t'est éclatée au sol... Il faut l'expliquer. Après, ça va, c'est pas grave. Non, mais bien sûr. Mais il y a ce truc aussi où... Enfin, moi, je pense plutôt par rapport à ça, où si jamais, en fait, tu changes d'avis, bah, du coup, il faut réexpliquer, en fait. Non, ces trucs, ça m'a saoulé. Voilà. Ouais, ouais. Mais moi-même, je sais que les trucs, j'ai tellement toujours peur d'être déçue et je suis tellement toujours sur des montagnes russes en tout plan qu'en fait, j'ai l'impression que si je dis même aux personnes dont je suis le plus proche un truc, ça envoie un peu un signe à l'univers comme quoi j'ai trop la confiance... Et du coup, après, je me fais avoir, je sais pas comment expliquer. Vous avez jamais eu ça? Ou genre, vraiment, il faut dire à personne, sinon, c'est sûr que ça va pas arriver. Alors que si t'es en mode, non, j'attends pas du tout ça, bah ça arrive. Moi, c'est tout l'inverse. C'est moi qui suis ravagée. Ça rejoint beaucoup ce que disait Piu-Piu. Moi, je suis pas du tout superstitieux par rapport à ça et j'ai trop peu de mal à dire les projets dès le début, un peu tout le monde. Parce que justement, au moins je le dis et ça me, entre guillemets, ça m'oblige à le faire et ça me motive à le faire. Donc ouais, un peu l'inverse. Est-ce que vous croyez au karma? Ouais, grave. Ok. De dingue. on dirait un vote. Ok, il y aura c'est juste obligé, un genre. Oui, non. Est-ce que t'as des exemples de moments où t'as vu des choses concrètes se réaliser? Ben, pas vraiment, enfin... Ça peut être des trucs vraiment bêtes en mode tu dis une dinguerie à ton pote pour rigoler en mode et en fait là tu te casses la gueule juste après quoi. Mais c'est je pense que enfin pour moi le karma c'est vraiment si tu fais du mal à quelqu'un bah la roue tourne quoi, je sais pas comment dire, mais genre tu peux pas faire enfin ça a forcément une il y a forcément une un retour de situation, je sais pas comment dire, mais... Est-ce que t'as déjà vu des manifestations concrètes de quelqu'un que t'as vu faire du mal, mais pas forcément à toi, et qui d'un coup s'est mangé un retour de bâton, mais vraiment qui était relatif à ça, tu vois? Ah, genre en mode... Bah, en fait, genre, les gens qui peuvent faire du mal, ça veut dire qu'ils vont pas bien. Donc ça veut dire qu'ils s'écoutent pas, donc ça veut dire qu'ils se mettent dans des bourbiers, qu'ils se mettent dans des situations de merde, et que du coup, forcément, ça leur, enfin, forcément, tu te prends le truc, tu vois. Oui, moi, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Quoi, ouais. Tu vois, genre, alors que si tu t'écoutes, tu vois, tu essayes d'être bien, enfin, t'es bienveillante, t'es honnête, machin, bah, tu peux pas. Après, il y a toujours des accidents, des choses comme ça, mais du coup, genre, je sais pas, je pense que ta vie, elle est beaucoup plus, t'es plus alignée, donc il t'arrive pas des trucs. Des retours de bâton, mais c'est vrai, ça se tient assez. Et est-ce que vous avez déjà eu ce truc où, bon, je pense que Julieta avec les petits lapins blancs, peut-être. je sais que moi, je suis pas du tout dans ces trucs-là, mais je sais que parfois les gens, notamment sur Instagram, genre des trucs sur la loi de l'attraction, la manifestation, le machin, et qui demandent un peu à l'univers de leur envoyer des signes. Est-ce que je dois faire tel truc? Enfin, est-ce que je dois prendre cette décision? Et là, d'un coup, ils ont une espèce d'illumination. Ils voient un panneau avec écrit non ou oui dans la rue. Ils voient un avion qui fait un truc écrit. Ça vous est déjà arrivé, ça, de chercher une réponse truc? Et là, d'un coup, il y a un signe. Mais c'est limite même une musique qui se lance en aléatoire. Et tu te dis, ok, mais en fait... Moi, c'est pas tellement par rapport à un choix ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un souvenir d'enfance qui était hyper beau par rapport à ça. Par rapport à mon grand-père qui est décédé. Et quelques mois après, on a fait une espèce de retraite familiale qui avait été un moment très très fort pour la famille. Et cette retraite se terminait au bord d'un lac. Et on a eu, il avait absolument pas plu, il faisait un soleil incroyable et tout, mais il y avait un arc-en-ciel immense au-dessus du lac. Oh, wow. Et c'était sublime. Wow. Et c'est un moment qui est resté vachement gravé, donc on continue à parler. Et moi, je suis intimement persuadée que c'était un signe mais c'est quand même par rapport signe. À ça. Ouais, ouais. Et c'est hyper beau, ça, comme signe. Ouais, c'est super beau et j'adore y croire. Enfin, les signes, quand ils sont positifs, j'adore y croire. C'est comme le karma dont vous parliez. Pour moi, c'est plus du côté négatif qu'il arrive. Les gens qui sont effectivement mauvais, il va leur arriver des choses mauvaises. Là où les gens qui sont vachement bienveillants et vachement... attentionné avec les autres et tout, parfois c'est un peu plus compliqué pour eux d'arriver à faire des choses incroyables. Enfin, je trouve que c'est pas forcément très juste entre les deux.
Voilà. Mais est-ce que justement, comme Charles le racontait donc dans le cadre d'un drame, d'un truc très triste, est-ce que vous pensez qu'une certaine forme de spiritualité, donc ça peut être notamment croire aux signes ou croire à une justice divine ou à des choses après la mort, peu importe, ça appartient vraiment à chacun. Est-ce que vous pensez que ça peut aider efficacement à encaisser les émotions négatives, c'est-à-dire les injustices de la vie ou la tristesse, etc. Est-ce que c'est vraiment une béquille solide? Je pense que le fait de croire de manière générale, dans le sens de la foi, peu importe ce que c'est d'ailleurs, si c'est Dieu, si c'est le karma, si c'est les énergies, si whatever. Je pense que c'est un guide parce que ça nous aide à avoir de l'espoir. Et alors, il y a une expression qui dit l'espoir est l'opium du peuple, mais moi je pense que l'espoir, c'est aussi ce qui nous permet d'imaginer le possible quand on pense que à l'impossible. Et je pense que c'est des choses qui sont très importantes, notamment aujourd'hui, en début décembre, avec un monde très difficile. Croire, ça aide à passer au lendemain aussi. Donc je pense que c'est en ça que ça nous guide. Moi, je crois aussi beaucoup au karma, mais plutôt dans le côté positif du karma, tu vois. Je me dis, en fait, quand on essaye de faire les choses de la manière la plus juste possible, eh bien, au final, il peut arriver que des choses justes en retour. Et juste, ça ne veut pas forcément dire que c'est des choses qui nous plaisent. Et c'est ça, la différence aussi. C'est que le bien, le mal, ce n'est pas ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît. C'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui a sa place. Et je crois vachement à ça, c'est-à-dire que quand on est à sa place, tout d'un coup, les choses, elles sont alignées et ça semble facile et évident. Et quand on n'est pas à sa place, eh bien, tout est compliqué. Et ça, ça peut arriver qu'on essaye d'être une bonne personne ou alors qu'on ait tellement de problèmes qu'on n'y arrive pas. Mais comme tu disais, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise personne, à part des gens qui sont vraiment atteints de troubles psychiatriques graves. Je pense juste qu'il y a des gens qui arrivent moins à le faire. Mais du coup, je trouve que du coup, ça touche énormément à ce qu'on disait aussi sur sur l'intuition, parce que du coup, t'as le truc d'être aligné avec là où tu dois être ou pas, et ce que tu dis, c'est que parfois, en fait, on va être guidé vers des, il va se passer des choses qu'on ne va pas trouver justes et qu'on va pas trouver plaisantes, agréables et tout, mais qui sont des moments de vie qui vont nous guider vers quelque chose qu'il faut prendre, qui sont nécessaires. Mais c'est compliqué, quoi, sur le moment, enfin. Ouais, mais il faut les accepter, il faut prendre quand il arrive des choses difficiles. Parce que ça fait partie de la vie, c'est ça qui nous fait grandir aussi. Moi, j'ai eu un début de vie super difficile, et je sais qu'un jour, je me suis réveillée, et j'ai dit, ok, ça y est. C'est fini. C'est fini, ça y est, j'ai assez mordu la poussière, et aujourd'hui, ça s'arrête. Et c'est l'acceptation. Ouais, c'est aussi un process que du coup, tout d'un coup tu mets en place de décider de voir les choses du bon côté, de décider de te battre pour toi-même, décider d'essayer d'être la personne la plus juste possible en toutes circonstances, même si ça te fait chier parfois. Parce que c'est ça aussi, être juste, c'est pas facile. C'est s'écouter en fait, c'est suivre ce que toi, enfin, vraiment ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux faire dans le monde, enfin, je sais pas comment dire, mais genre, enfin, vraiment s'écouter, en fait, juste, c'est hyper important, suivre son. Ouais, mais écouter les autres aussi, parce que vraiment, cette notion de justesse, elle est importante parce que ça veut dire aussi parfois faire des choses qui sont désagréables pour soi-même. Bien sûr, mais s'écouter, c'est pas forcément dire penser qu'à soi, oui. Tu vois ? Et je pense que c'est quand t'arrives à être dans l'équilibre des deux et aussi à savoir quand il y a une difficulté que t'as aussi ta responsabilité là-dedans et qu'on n'est pas des victimes de la vie, etc. Alors, moi, je crois profondément au terme victime quand on est victime réellement de quelque chose, que ce soit une agression, etc. Mais dans la vie, on est aussi responsable. Ouais. Et être juste, c'est savoir trouver cette place-là. Mais on va continuer la discussion sur cette notion de trajectoire, finalement, parce que c'est un peu de ça qu'on parle. Comment on vient influer sur la trajectoire. Et je pense que il y a quelque chose qu'on doit bien connaître aussi tous les quatre, c'est que parfois, les gens parlent de chance pour les trajectoires.
et que parfois ça peut sembler aussi un peu injuste quand on sait ce qu'il y a derrière la chance. Donc on va en discuter. Et tout de suite, on va parler d'un truc qu'on entend très souvent. C'est le facteur chance dans les carrières et dans la réussite d'une personne. Moi, j'aime à croire qu'il y a quand même dans les destinées personnelles un mélange, alors plus ou moins équilibré, entre prédisposition, ça veut dire ça peut être des facteurs familiaux, ça peut être des facteurs économiques, etc., et talent, et travail, et chance, effectivement, puisqu'il y a plein de gens à situation égale. Et il y a une personne qui va réussir. Bon, bien sûr qu'il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a des rencontres, etc. Mais quel est votre rapport à la chance? Est-ce que vous pensez que vous avez eu des opportunités dans votre carrière grâce à la chance? Ouais, moi, ouais. Franchement, parce que si je fais une émission de télé, c'est parce que Alexia Laroche-Joubert, elle a vu une vidéo sur Facebook de moi. Donc, quelle chance qu'elle tombe sur cette vidéo. Enfin, ah ouais, elle était là, elle scrollait un grand dimanche après-midi. Donc, oui. Parce qu'elle n'aurait jamais vu cette vidéo. C'était quoi la vidéo? C'était une vidéo d'interview dans les Inrocks. Enfin, un truc où je parlais des lieux de fête. Voilà. Et, enfin, improbable, quoi. Donc, oui. Et elle t'a contacté en mode, j'ai trop aimé ta vibe dans cette vidéo, vas-y, go, on fait un truc ensemble. Ouais. Et trop du coup, bien. T'as monté le projet à partir de là? Ouais. Putain, c'est trop bien. Wow. Trop bien. Ok. Ok. Et là, il n'y a pas de, y a rien, quoi. Ok, c'est vraiment coup de chance, trop bien. Voilà. Trop bien. Oui, mais après, c'est parce que la vidéo était cool aussi, tu vois. C'était pas une vidéo où tu faisais. C'est un truc de timing, genre. Du pen spinning. Oui, mais du coup, c'est aussi de la chance qu'elle ait vu, parce que c'est quand même une vidéo sur Facebook. Enfin, à un moment donné, c'est pas. Ouais, j'avoue. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez des coups de chance mémorables comme ça, hein, au niveau carrière? Enfin, une personne, Johanna, qui est dans le public, là, qui te voit, qui te signe sur je ne sais quoi. Non, je sais pas. Je pense que c'est un peu... Enfin, la chance, moi, en tout cas, comment je le vois, comment je l'ai vécu dans ma vie, je pense que c'est un truc de timing, en mode, quand t'es prêt à quelque chose, et, genre, tu... Je sais pas, il y a une opportunité qui arrive, mais genre, c'est peut-être un peu... Olé olé ce que je suis en train de dire là, mais je pense qu'il y a un peu un truc de genre, en fait, t'attends quelque chose et t'as par exemple, t'attends une opportunité et genre, un an avant, bah, en fait, t'as travaillé, en fait, et là, il t'arrive un truc, genre une chance. Donc par exemple, toi faire ton émission, du coup, enfin, tu vois, genre, en fait, c'est juste que c'était le moment, tu vois. Mais genre... Je sais pas, je pense que c'est comment tu tournes. Mais ça rejoint ce que tu disais de Julieta sur la façon dont certaines choses sont faites pour nous ou d'autres pas. Et du coup, t'es là, tu aménages en fait quelque chose pour qu'après sans ça te rendre compte, tu vois, ça se passe. C'est inconscient un peu, tu vois. À fond. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, genre même je ne m'en suis pas cachée publiquement, j'ai énormément milité ces dernières années. Et le militantisme, on va pas se mentir, on se fait mal. Enfin, moi, là, actuellement, je suis contactée chaque semaine par beaucoup de chaînes et de télé et de radio pour à chaque fois venir commenter l'accusé de la semaine. Mais en fait, c'est toujours les mêmes débats auxquels on m'invite, etc. Et je vois bien que les choses ne bougent pas et que dans tous les milieux, tout le monde est au courant à chaque fois et qu'on peut malheureusement rien faire. Du coup, bah, moi, je sais que je suis éreintée de ça, donc j'avais déjà... décidé de faire une pause et mon corps me l'a réclamé depuis longtemps. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ce projet ici à la radio et en fait tout s'est bien aligné aussi. Mais c'est parce que c'était comme si moi j'étais prête à partir sur autre chose et je pense que ça se ressentait peut-être dans ma façon de communiquer, etc. Et du coup on m'a proposé autre chose. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait tu viens tracer toi-même un peu ta trajectoire et c'est là que le facteur chance arrive. Mais en fait il y a tout le monde qui le voit sauf toi, que t'es prête pour ça peut-être. Charles, c'est quelque chose qui te parle? Bien sûr, moi ça a été une question que je me suis énormément posée depuis 3 ans et demi presque maintenant. Le facteur chance, c'est moi maintenant que j'ai pris un peu de recul par rapport au début de ma carrière et comment ça s'est déroulé en très très peu de temps au tout début, j'ai plus aucun mal à dire que ça a été vraiment énormément de chance et un espèce de destin comme ça ou qui a mis les bonnes personnes sur ma route au bon moment, ne serait-ce que lancer ma première collection au moment où je l'ai fait, ce serait sorti une semaine avant, une semaine après, ça aurait absolument pas eu le même impact sur le reste, la suite des choses, les rencontres que j'ai pu faire, etc. Ça a été assez insensé et j'ai eu pendant quand même pas mal de temps, maintenant ça s'atténue vachement, mais un espèce de syndrome de l'imposteur qui a été assez brutal très souvent, où je me disais tout est trop facile, ça n'a aucun sens, tout est trop facile... Pourquoi, voilà, et ça m'a même fait énormément douter, même sur ma,
sur ma créativité, parce que je me disais, bon, bah, en fait, finalement, c'est un espèce de storytelling qui a été créé. Et finalement, c'est même pas tellement pour mon travail qu'il se passe tout ça, mais c'est juste pour essayer, enfin, pour continuer un peu cette espèce d'histoire, un peu de success story du mec jeune qui fait des trucs et tout. Et à un moment, je me disais, mais en fait, c'est pas mon travail le vrai facteur de tout ça, c'est plus un espèce de storytelling, quoi. Non. Et bon, maintenant, j'ai pris du recul, mais oui, ce facteur chance. Et puis, c'est compliqué, parce que du coup, tu dois un peu dénigrer, tu vois, par exemple, par rapport à ma famille, qui est un vrai sujet par rapport à tout ça, on en a longuement parlé, mais j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille cultivée, qui m'ont ouvert à l'art très, très rapidement, et de manière extrêmement intéressante, qui m'ont emmené voir des musées, des expos, qui ont toujours soutenu mes choix professionnels. Et donc ça, c'était une vraie chance. Mais quand après, tu fais plein de trucs et qu'on te reproche, ah, c'est grâce à ta famille et tout, tu dis bah non. Et du coup, tu dois dénigrer un peu l'enfance que tu as eue, parce que les gens font des énormes quiproquos dans tous les sens. Bien sûr. Et du coup, tu dis mais non, rien à voir avec mes parents, j'ai fait tout seul, alors que en fait non, et ils ont travaillé, et ça leur faisait plaisir de nous emmener moi et mes frères et sœurs dans des musées et tout. Enfin, il y a tout ce truc là qui est un peu contradictoire. Tu en as parlé avec ta famille de ça ou Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et c'était quelque chose qui les avait peinés les fois où t'as pu un peu. Non, parce que je pense que j'ai toujours essayé de trouver les mots justes, et ils savent aussi ce que c'est. Enfin, ils m'ont quand même soutenu dans tout ça, dans tout ce truc de storytelling médiatique au début. Donc ils savent très bien que c'est y a quelque chose de défense, ils ne m'entendront jamais pour ça, et je ne les ai jamais non plus... j'ai jamais été méchant dans mes propos, jamais. Mais oui, c'est vrai que c'est un espèce d'entre-deux à trouver, entre considérer sa chance et la chance qu'on a eue, et en même temps aussi considérer le travail qu'on a fourni pour en arriver là, qui est ma partie du coup, pour le coup. Cette conjugaison de facteurs... Ouais. Parce que tu charbonnes quand même. Bah j'ai l'impression. En tout cas. j'ai dit en intro, on devait focus la discussion sur l'amour ce soir, et je me suis dit que en fait fallait qu'on parle de tous les signes, mais on va parler d'un signe en particulier, c'est le coup de foudre. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Ouais. Je crois à tous les trucs que tu dis. Je vais commencer à mettre des plus en plus hardcore. ouais, mais bien sûr, je crois au coup de foudre. Mais c'est même pas je crois au coup de foudre. Ça existe. Mais comment tu le définis, toi, le coup de foudre? C'est genre, tu vois quelqu'un et puis tout d'un coup, s'il y a une évidence. Je trouve ça dingue. Mais est-ce qu'on peut se tromper dans nos coups de foudre ou est-ce qu'on a raison? Mais après, il y a des coups de foudre qui sont foudroyants et courts et des coups de foudre qui sont longs. Mais en tout cas, tant qu'il existe, c'est assez fou à ressentir. L'évidence dans la vie, non? Ouais, on est tout le temps insecure. Ouais, ouais. Et puis, coup de foudre, c'est évidemment premier degré amoureux, mais ça peut être artistique, ça peut être musical, ça peut être amical, surtout. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu as eu des coups de foudre récemment? Alors, t'es pas obligé de raconter ta vie privée. Non, non, bien sûr. Je parle même de coups de foudre, justement, artistiques, musicaux, etc. Je suis pas très propice aux coups de foudre, j'y crois, bien sûr. Après, j'ai toujours besoin d'un petit temps d'adaptation quand je rencontre quelqu'un. Ou ça peut être 3 jours, comme 1 heure. C'est jamais, genre, immédiat. Donc, je pourrais pas vraiment te dire oui. Mais après, quand je suis sensible à quelqu'un ou à quelque chose, je le sais directement, par contre. Et toi, Johanna, c'est quelque chose que tu... T'es plutôt team piou-piou inconditionnel du coup de foudre? Ou team Charles, on y va à pas de loup et... Je sais pas, je pense que c'est un peu des deux. En amour, je crois vraiment au coup de foudre. En amitié aussi. Et après, pareil, j'ai quand même besoin d'un temps d'adaptation. Je sais pas, je pense que... Parfois, je pense que parfois tu peux avoir un coup de foudre, mais t'es dans le déni. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre, t'es pas strike en mode... comme tu peux le décrire, piou-piou, tu vois, genre, moi, c'est... Souvent, j'ai besoin de réaliser que ce que je suis en train de vivre. Je sais pas comment dire, ouais. Ouais, non, mais je... Et quitte à être sur une radio, quand même, qui diffuse beaucoup de musique, et de la musique de qualité ce soir, je dois dire, comme à chaque fois que je prends l'antenne le jeudi soir. est-ce qu'il y a une musique qui vous évoque le coup de foudre? Je me suis tournée vers la DJ dans la table, automatiquement. Oh, alors, en fait, c'est marrant. J'ai pensé tout de suite à un morceau, là. Mais étrangement, c'est qu'il parle pas de coup de foudre, il parle de l'inverse du coup de foudre. C'est un morceau de Frank Ocean. Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié comment il s'appelle. Oui, c'est peut-être Johanna, aide-moi sur ça. Il fait Hey Taxi Driver. Non, vous voyez pas? Ah là là, c'est une catastrophe.
T'avais une des notes. Je croyais qu'elle chantait au début. Ouais, moi aussi. Elle commence à. Elle-même a chanté. Mais non, c'est un morceau de taxe. De... Oh, j'ai oublié son nom. C'est une catastrophe. C'est quoi l'album? C'est quoi la période? C'est le premier album. Et c'est une chanson dans laquelle Frank Ocean prend un taxi et il parle au chauffeur des taxis et il lui dit. Écoutez, monsieur le taxi, aidez-moi, je suis dans une merde pas possible. Le mec de qui je suis amoureux, c'est une mauvaise drogue pour moi. Je sais pas comment m'en sortir. Et c'est hyper beau et c'est un peu le contraire d'un coup de foudre, mais c'est ce moment. C'est le rejet du coup de foudre un peu. Où c'est un coup de foudre qui tourne hyper mal. Je sais pas pour ça, pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite. Mais je sais pas, ça m'est venu. Mais du coup, ces coups de foudre, donc qui sont pas toujours écoutés, qui parfois font l'objet d'un déni, etc. Ça peut mener quand même à des relations. Et c'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'il faut vraiment suivre ces coups de foudre? Parce que parfois, du coup, tu peux arriver sur des trucs un peu passionnels, un peu bourbiers. C'est ce que je lisais en intro sur l'amour. Enfin, je parlais vraiment en connaissance de cause parce que waouh, mon Dieu, maintenant que je réfléchis un peu plus, ça, c'est plus simple quand même la vie. Et est-ce que vous pensez que des relations ou des rencontres peuvent être des signes justement du destin qui nous font profondément changer justement? Bah, moi, je trouve que la notion de coup de foudre, elle est quand même vachement proche de celle des signes parce qu'il y a quand même quelque chose qui les relie, qui est qu'il faut que le cerveau et l'esprit soient réceptifs à ça. Et je pense que ça dépend vachement des moments dans lesquels on est. Ça peut être un moment de vie, comme un moment d'une journée. Tu vois, on peut être carrément plus réceptif à un coup de foudre le soir, par exemple, dans un truc plus festif, ou dans un moment de sa vie, on n'est pas bien, on n'a pas envie de recevoir ces signes, on n'a pas envie de tomber amoureux ou de se faire des nouveaux amis ou de découvrir des nouvelles personnes. Enfin, je pense que c'est vachement aussi relié à notre mental et à ce qu'on a envie d'avoir à un moment précis, quoi. Ouais, c'est grave un truc d'envie, je pense. Ouais, des besoins, en mode même inconscient. Absolument inconscient, complètement. Mm-hmm. Ouais, ouais. Et de feeling, vraiment, on en parlait dans tout le côté truc intuition, de timing etc. aussi. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais. Mais la question, vraiment, c'est plus dans quelle mesure est-ce que ça peut. Est-ce qu'autrui, au-delà des signes et de ce qu'on voit dans la nature, dans le ciel, dans nos écouteurs, etc. Comment autrui peut venir nous façonner et nous faire voir quelque chose et nous faire dire « Mais attends, mais ouais, en fait, faut que je fasse comme ça ou faut pas que je fasse ça. » Ah, je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense que parfois, genre, quand t'as un coup de foudre sur quelque chose, c'est que tu dois vivre le truc. Genre en mode... Par exemple, tu tombes amoureux de quelqu'un en mode coup de foudre, tu te mets dans la relation et en fait, genre, je sais pas, la personne, elle te fait rencontrer des trucs, machin, ou... Enfin, je sais pas, il se passe... Il y a des conséquences de cette rencontre qui font qu'en fait, t'as une révélation sur toi-même. Genre, soit à la fin de la relation, en fait, tu te rends compte que... Genre, t'es toxique, je sais pas, des trucs comme ça. Je suis toujours dans la négativité, faut que j'arrête. Franchement, ouais. C'est horrible. Mais c'est un peu les notions. Je sais pas pourquoi je suis traumatisée, genre. Mais j'ai vraiment le yin et le yang, là, comme ça. Mais parce que toi, t'as fait le MDR, moi, je commence tout ça. C'est ça. Faites de la thérapie. Ouais, ouais, je suis encore trop. Cette émission est sponsorisée ce soir par les praticiens de MDR en France. Je rigole. C'est complètement avec les sous. Public. Et Johanna, justement, je me tourne vers toi parce qu'on parlait juste avant des coups de foudre, des relations qui nous changent, etc. Et des choses qui ne sont pas forcément positives. Et tu disais que tu étais trop négative à ce micro. Et justement, je vais t'interroger sur un truc où tu vas pas forcément être positive, mais je pense que tu peux aussi parler d'espoir parce que ton nouveau projet, c'est quand même vachement ça, c'est retrouver la lumière, c'est ce que tu disais en introduction. Et est-ce que dans les signes qu'on peut avoir, dans les choses qui vont mener à une inflexion, à un changement dans notre façon de gérer notre vie, est-ce que les douleurs peuvent être une chance pour évoluer? Alors, je dirais pas que les douleurs sont une chance. Ça me fait un peu peur, cette phrase. Mais en effet, en tout cas pour dans mon expérience, le fait d'avoir souffert dans plein de domaines différents, que ce soit genre des choix que j'ai fait, que je me suis pas forcément écoutée, que j'ai pas écouté mon intuition, que machin, m'ont amené au bout d'un moment où je me suis dit, mais en fait, il faut que ça change. Et je pense que si j'avais pas vécu ces expériences-là, peut-être que j'aurais pas changé certaines choses chez moi, j'aurais pas travaillé des choses. Je pense que ça amène
à la volonté de changer quelque chose. Et changer, c'est pas genre changer de personnalité, c'est juste genre évoluer, grandir sur des choses ou travailler des traumas ou guérir des choses. Enfin voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Du coup, est-ce que c'est dans l'adversité que tu as l'impression d'avoir pu décider, en tout cas, pas forcément les effectuer parce que ça vient toujours en deux temps, mais décider tes plus grosses évolutions, ou c'était plus dans les moments de calme et de douceur, tu disais tiens, je changerais bien? Non, ouais, non, dans l'adversité plutôt. Parce que dans ce que. Enfin, pourquoi t'as choisi de raconter tout ça dans ce nouveau projet? Bah, déjà, pour moi, ma pratique artistique de l'écriture et de la composition, et de l'interprétation aussi, c'est un peu. Enfin. C'est un peu mon schéma de... Enfin, depuis que je suis petite, je fais ça, en fait. C'est mon moyen d'expression, c'est mon moyen de faire le point avec moi-même, c'est le moyen de me comprendre et d'apprendre à me connaître. Donc, en fait, quand j'ai fait cet album, en fait, ça m'a permis... En fait, c'était un peu genre la première étape de ma thérapie. Et donc, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'en avais besoin. Et voilà, en vrai, c'est juste ça. Mais du coup, donc, c'est vraiment... l'idée de finalement se dire, voilà, il se passe des choses qui sont négatives, qui ne sont pas agréables, et du coup, je viens construire là-dessus aussi. Ouais. Et vous, à ma droite, du coup, comment est-ce que c'est quelque chose qui vous aide aussi à avoir des signes et des raisons de changer, finalement, les moments un peu compliqués, les moments d'adversité? Bien sûr. Bon, après, moi, c'est dans un registre complètement différent, parce que ce n'est pas des mots, c'est plus des images et des vêtements, plus concrètement. Après, il y a, enfin, moi, j'ai les artistes qui m'inspirent et qui me touchent. C'est souvent des artistes qui sont très torturés. Il y a une espèce d'esthétique autour de ça. Quand j'étais plus jeune, je travaillais vachement. J'aimais bien un peu ce truc d'artiste maudit qui souffre pour créer des choses torturées, etc. Bon, en grandissant, je me suis bien rendu compte que le plus important, c'était d'être sincère et de pas se chercher du malheur là où c'était pas nécessaire, parce que il y en avait d'autres qui arrivaient, mais oui, effectivement. Mais assez, enfin, contrairement à ce qu'a pu dire Johanna juste avant, moi, je sais que quand je vais bien, je vais avoir tendance à faire des choses beaucoup plus sombres que quand je vais mal. Là, ça va être souvent plus coloré, plus joyeux. C'est une forme de déni, tu penses? Non, parce que je suis très rarement dans le déni. C'est pas un sentiment que je cultive beaucoup. Mais je sais pas, c'est, tout ça est tellement inconscient, la création. Ouais. De toute façon, s'il y avait des réponses concrètes, ça se saurait. Mais oui, je pense qu'un artiste, en règle générale, se nourrit de ses émotions, aussi négatives que positives, pour créer, c'est évident. Bien sûr. Et toi, Giulietta, quel est ton rapport au fait d'observer ta vie et de choisir des moments d'évolution, etc.? Est-ce que ce sont des réflexions et des inflexions, du coup, que tu mènes plus dans des moments de calme, de douceur, de chill, ou dans des moments, justement, compliqués, fatigants, éreintants? Je pense que j'ai fait en sorte de ne pas avoir trop de moments de répit dans ma vie, parce que je travaille beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'est aussi parce que, déjà, j'adore travailler, et j'ai la chance de faire ce que j'aime, donc c'est une grande chance et un grand privilège de pouvoir faire ça. Mais je pense aussi que c'est une manière de pas... En fait, d'avoir toujours quelque chose à penser pour toujours pouvoir avancer, en fait. Et c'est quelque chose qui m'aide vachement, parce que je pense que quand on est de nature angoissée, on a tendance à, dès qu'il y a un moment de répit, à se laisser emporter par des idées noires. Et du coup, c'était aussi un peu... ma solution pour rester en vie, presque, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, de rester vivable et d'être dans le moment présent, quoi. De pouvoir observer ce qui se passe, observer ma vie et tout. C'est dans l'action, parce que je ne supporte pas du tout être dans l'inaction, être dans le rien. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer beaucoup méditer. Mais pour moi, en tout cas, c'est aussi comme ça que je me sens bien. C'est en travaillant beaucoup, et tout ce que je fais, moi, c'est avec d'autres gens. Donc, du coup, c'est aussi une manière de me décentrer, quoi, et de pas trop penser à ma vie et tout. Pour autant, je suis pas dans le déni, parce que je m'occupe de mes problèmes, etc. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de thérapie et tout. Mais
en tout cas, ma nature, et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais ma nature fait que pour être bien, il faut que je sois dans l'activité, et du coup, il faut que je fasse plein de choses, et ce qui fait que je fais beaucoup de choses. Et parfois, j'ai deux enfants, par exemple, et parfois, il y a des gens qui me disent « Mais comment tu fais avec tes deux enfants, et t'as trois jobs, et quand même, machin, et tout, ça doit être hyper intense, et tout. » Et c'est hyper intense, mais j'adore. J'adore, je me sens vivre. Ouais, chaque moment est occupé intensément, du coup. Ouais, et tout est très intense, et c'est, pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. Et j'envie aussi, de l'autre côté, des gens qui arrivent à prendre leur matinée pour aller au café et à traîner et tout, je trouve ça génial. Mais on va dire que moi, ce temps de se délester de la vie, de chill, pour moi, c'est la nuit. Quoi. Mmh. C'est vraiment ouais. Quand il est très tard, quand il fait nuit. Alors du coup, parfois, je dors très très tard juste pour traîner. Mmh. Et je trouve ça super. Mais la journée, j'ai besoin de faire 1000 trucs. Mais tu sais que c'est un des arguments qui est donné par les psychologues et psychiatres sur la question de l'addiction aux réseaux sociaux. Mmh. Il est expliqué qu'en fait, c'est parce que les gens rentrent chez eux et ils ont l'impression que le seul moment où ils peuvent vraiment profiter de la solitude et du monde qui semble un petit peu s'arrêter, donc on a beaucoup moins cette espèce de FOMO ou même cette peur de ne pas en faire assez, c'est la nuit, et que du coup on va un peu rattraper ces seuls moments de solitude possible la nuit, et donc pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes d'ailleurs, ça va se manifester par un scrolling. Peut-être que ça a été le cas d'ailleurs d'Alexia Laroche-Joubert, qui sait. Je vais demander à mes invités, au lieu de tunnel sur mes playlists, vous, quels sont les objets d'art, donc les chansons, les livres, les films, qui vous ont vraiment marqué? Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai la profonde conviction que parfois, moi c'est beaucoup avec les chansons, une chanson qui arrive à point nommé, ça peut vraiment nous faire « mais oui, en fait, il faut que je prenne cette décision, faut que je... » Je vois par exemple « La vague » de Barbara Pravi. C'est une chanson qui est extrêmement intense, qui parle de l'intensité qu'on a en nous-mêmes, et du fait de ne pas forcément pouvoir toujours la réfréner et d'être comme ça en un sens, c'est presque triste. Je trouve cette chanson, suivant l'humeur dans laquelle on l'écoute, les dispositions dans laquelle on l'écoute, elle peut nous faire sentir de façon différente et même parfois nous rendre très triste. Mais en tout cas, moi, c'est une musique qui parfois m'a fait me sentir un peu comprise et qui m'a aidée à l'acceptation de certaines choses. Et de la même façon, on parlait pendant la musique de mon arrêt perso de l'alcool. Moi, je sais qu'il y a des musiques qui m'ont aidé là-dessus. Je pense notamment à Piano Man de Billy Joel ou Jimmy de Janis. C'est des musiques qui m'ont fait réfléchir, en fait. Et me dire, ok, j'ai envie de faire un petit pas en arrière, d'arrêter pendant 6 mois, et puis on verra. Est-ce qu'il y a des musiques, vous aussi, ou d'autres, justement, objets d'art qui vous ont fait décliquer des choses et vous dire, mais oui, en fait, je dois faire ci ou faire ça? C'est dur comme question. C'est dur, ouais, il y a tellement de choses. Est-ce qu'un film a changé votre vie? J'ai pas tout de suite une idée de quelque chose qui m'a fait changer quelque chose. Par contre, je pense à des œuvres qui m'ont vachement émue. C'est pas exactement la même question, donc je suis désolée. J'aurais eu 0 sur 20 si on était à l'école. Mais il y a une collection du Sen Chalayan qui l'avait fait, qui s'inspirait du design, dans lesquels... Les mannequins portaient des robes, tu t'en souviens, Charles. Et en fait, les derniers looks, c'était... attends, si je dis pas de la merde. Les derniers looks, c'était ceux où les vêtements, ils rentraient dans le chapeau. C'est la même collection. La jupe en bois qui montait. Et alors, ça, ces filles qui se retrouvaient, du coup, nues, avec le vêtement qui monte tout seul dans le chapeau, pour moi, j'ai pleuré en regardant. Ça fait poétique, la façon en regardant ça, parce que il y avait une forme de, ça racontait à la fois une maîtrise technique tellement grande qui est mise à profit de se mettre à nu littéralement, et du coup de se montrer tel qu'on est dans tous les sens du terme, et ça m'avait bouleversée. Parce que, pour moi, Hussein Chalayan, c'est un artiste extraordinaire. Et cette collection en particulier, pour moi, elle racontait justement toute la magie qu'on peut faire avec la mode. Et le fait que
non seulement c'est de l'art, mais c'est aussi de l'émotion. Et c'est, ça peut nous toucher à un niveau très intime. Mais quand je parlais d'objets d'art qui vraiment avaient pu bouleverser, c'est ça, aussi qu'on parle. Parce que c'est vrai qu'on... l'imaginaire collectif fait qu'on pense souvent à des choses très concrètes, c'est-à-dire un livre, une chanson, un film, une sculpture. Mais de fait, et je pense que tous les deux, vous en êtes convaincus, tous les trois d'ailleurs, la mode est aussi une forme d'art qui est extrêmement importante. Charles, est-ce que toi, il y a des, justement des défilés comme, ou des moments de mode en tout cas qui t'ont justement bouleversé au point de changer ta façon même de voir la mode ou de la pratiquer ? Bien sûr, bah moi quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la mode, vraiment à proprement parler, j'avais vu ce défilé de Galliano pour Dior qui était inspiré de René Gruau, tout était très rouge, très noir, très dramatique, et j'ai vu ça et je me suis dit d'accord, ok, je veux faire ça comme métier. Un peu plus récemment, il y a eu un défilé de Viktor & Rolf, tout blanc, inspiré de Picasso, très sculptural, avec une sublime musique qui était une réinterprétation par un chœur d'enfant de Creep de Radiohead qui était sublime, et ça a été un chamboulement aussi. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, enfin, il y a eu beaucoup de collections qui... Je suis très sensible à ça, ouais, bien sûr. Et toi, Johanna, il y a eu des œuvres, des moments d'art qui t'ont vraiment chamboulé? Ouais. Ça peut être par exemple d'autres artistes, même musicaux aussi. Ouais. Bah ouais, toute ma vie, je pense qu'il y a des albums, souvent des albums. Plus que des chansons individuellement qui me en fait moi je suis un peu obsessionnelle, donc du coup je mets en boucle toujours, enfin j'ai vraiment des périodes où je peux écouter qu'un seul album en un mois ou deux même, voilà. Donc oui carrément, enfin c'est ce qui rythme aussi mes inspirations et tout. Donc après j'ai été en vrai j'ai été à une période de ma vie quand j'étais genre adolescente, préadolescente, genre vers 12 ans, j'ai découvert l'album, je crois qu'il s'appelle Innamoramento, de Mylène Farmer. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais à la fois les paroles, sans vraiment comprendre l'intensité et la profondeur des phrases, m'ont énormément touchée, et genre la musicalité... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une révélation à ce moment-là de ma vie de ce que j'aime dans la musique. Et après, ça a changé ma manière de jouer du piano. Enfin, voilà, c'est. Et il y a aussi, par exemple, l'album Born to Die de Lana Del Rey, qui a vraiment, genre, changé ma manière de placer ma voix. Je sais pas, genre, c'est. Après, moi, ça me donne des pulsions d'inspiration. Bien sûr. Voilà, mais du coup, ouais, la musique est de ouf. Mais en plus, c'est marrant parce que en tant qu'artiste musical, j'imagine que le fait de venir, enfin, d'expliquer que tu écoutes les albums en entier, c'est souvent quelque chose qu'on entend dire les chanteurs et chanteuses qui regrettent qu'on n'écoute pas leurs albums entiers et qu'on aille juste picorer un ou deux titres et que ça se résume à ça, alors que l'album est souvent perçu par l'artiste comme une œuvre complète. Ouais, carrément. C'est pas juste un enchaînement de tubes. Non, clairement pas. De tubes potentiels. Et est-ce que tous les trois qui êtes quand même au final des, enfin même pas au final, qui êtes des artistes tous les trois, il y a eu des, Johanna, tu réponds un peu à cette question quand même, c'est comme ça qu'elle me vient. Est-ce qu'il y a eu des créateurs dans les mêmes branches que vous, des artistes qui vous ont fait dire en fait je peux aller vers cette voie, c'est une voie qui est possible, c'est une voie qui est viable, des figures vraiment qui vous ont inspiré très fort? Des figures qui m'ont inspiré très fort en créateur de mode, par exemple, et qui m'ont fait me dire, oui, c'est une vie qui est possible, ouais. C'est un domaine qui est légitime et je peux et je dois y aller. J'en ai deux qui me viennent, un qui est abstrait et l'autre qui a été très concret dans ma au début quand j'ai commencé à créer. Le premier, c'est McQueen pour ses défilés hyper théâtraux. Moi, quand j'étais petit, je voulais être metteur en scène de théâtre. J'ai toujours adoré cette combinaison de scènes, de lumière, de musique, de personnages, de vêtements, etc. Et lui, il faisait vraiment ça et c'était à chaque fois incroyable. Donc lui, et sinon, dans quelque chose de beaucoup plus concret, quand j'ai commencé mon école de mode à Paris, je devais faire un dossier pour présenter l'œuvre d'un designer que j'aimais bien. Et j'avais choisi Jean-Charles de Gasset-Bajac à ce moment-là, que j'ai tout simplement
contacté sur Insta, donc le truc, voilà. Simplement. Et dans sa grande générosité, il m'a répondu et on a discuté et il m'a expliqué beaucoup comment se passait ce métier. Ok. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est possible et let's go, quoi. Wow. Ah, mais c'est hyper beau en vrai qu'il t'ait répondu. Mais il a rendu vraiment ce rêve concret. Ouais, mais c'est ça. Mm. Ouais, mais c'est hyper beau en fait de se dire que lui, il a déjà réussi à un endroit et dans un domaine. Et de se dire, bah, quelqu'un de jeune qui a peut-être besoin justement de ce signe, de ce déclic, je vais lui donner aussi de la force. Et la question que j'avais envie de vous poser pour un peu clore. Alors, c'est une question qui peut paraître un peu subtile, mais elle n'est pas si casse-gueule qu'elle n'y paraît. C'est par rapport à tous ces signes que donne la vie et qui nous donnent envie un peu de changer et qui nous font changer. Est-ce que vous avez des lieux qui vous ont fait évoluer concrètement, dont la visite vous a vraiment marqué, vous avez découvert quelque chose là-bas, vous avez découvert quelque chose de vous qui derrière est resté avec vous? Ouais, moi j'ai... Ah, c'est compliqué parce que du coup, j'allais dire un truc en fait, j'ai changé d'avis. J'ai deux endroits. Le premier, c'est des villes, c'est Londres. Parce que la première fois que je suis allée à Londres et les fois suivantes, j'ai découvert là-bas un rapport à la musique qui était très différent de ce que je connaissais à Paris et qui était très ouvert d'esprit, avec une capacité, une envie de mélange. Et c'est une ville dans laquelle... la culture fait qu'on a envie de mélanger plein de choses et que tout fait sens ensemble, alors qu'en France, tout était très quadrillé. Il y avait le hip-hop d'un côté, la house de l'autre, la techno de l'autre, le breakbeat de l'autre. Et en arrivant à Londres, j'ai vraiment senti, en fait, ah, c'est possible, en fait. On peut tous se mélanger, on peut mélanger plein de trucs et c'est aussi une vibe. Et l'autre endroit qui est peut-être plus intime, c'est Stockholm, parce que j'y suis allée à un moment donné où j'ai arrêté de bosser pour des magazines, à un moment donné où j'étais assistante et tout. Et j'en ai eu vraiment ras la casquette et je suis partie à Stockholm parce que je me suis dit c'est le seul endroit en Europe où il n'y a pas de mode, en tout cas pas dans le milieu où je travaillais. Et un jour, et je marchais, j'étais complètement perdue là-bas, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et un jour, je marche un peu perdue comme ça et j'arrive dans un cimetière. J'étais partie 3 mois toute seule là-bas. Et en arrivant dans ce cimetière, vraiment je me suis dit mais ma pauvre vieille, qu'est-ce que tu fous de ta vie, quoi? Enfin, tu erres dans un cimetière. À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Moi, je vais souvent réfléchir par la chaise. Tout le monde se moque de moi pour ça. Mais non, mais parce que c'était intentionnel. Moi, c'était pas intentionnel. Ah, oui. Donc, pour le coup, je l'ai pris comme un signe de la vie, pour le coup. De tu erres et tu te retrouves là, alors que tu t'es perdu et tout. Et je l'ai pris comme un espèce de wake-up call, de se dire... Ok, en fait, allez, on arrête ça. Et puis, en plus, c'était l'été, donc en Suède, il fait quasiment pas nuit l'été. C'est très bizarre. Donc, c'était hyper étrange, parce que j'étais perdue dans ma tête, perdue dans le temps, perdue dans la ville. Et je me suis dit, ok, là, il faut construire quelque chose. Et je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Et c'est le moment où j'ai décidé de me mettre dans la musique, de devenir DJ. Et ça a été vraiment un wake-up call pour moi, alors que c'était un truc insignifiant. Mais c'est hyper marrant que tu aies cette révélation de te prendre en main dans ta vie, dans un endroit où il y a des morts. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc... Ah oui, je me suis dit... Bah, okay. C'est comme si tu avais tiré une carte au tarot. Je me suis dit, mais tu es vivante. Tu es vivante. T'es pas... Tu n'appartiens pas à ces pierres, en fait. Mais tu sais que, justement, c'est une question que je m'étais notée pour vous poser et que je n'étais pas sûre de vous poser parce que c'est assez spécifique et t'es venue là-dessus. C'est, est-ce que ça vous arrive de vous balader au hasard des rues quelque part en vous disant, bah, ok, là, en fait, je marche seule comme dans la chanson. Encore une rêve très récente. Et en fait, je vais aller vraiment là où mes pas me mènent. Et puis là, il se passe des choses. Charles, je te vois hocher de la tête. Bien sûr, bah, moi j'aime beaucoup marcher en règle générale et ça m'arrive tout le temps. Enfin, quand je peux, quand j'ai le temps de le faire, j'aime beaucoup, ouais. Bien sûr. C'est mon activité du week-end aussi. Je pars sans savoir où je vais, je vais marcher. Là, on découvre des choses. T'as la bonne playlist en plus, c'est exceptionnel. Avec de la musique, c'est super, mais aussi sans. Ah ouais? Et juste d'écouter aussi le bruit des rues, etc. Moi, souvent, dans ces moments-là, je préfère sans musique, justement. Ah ouais? Ouais. Mais t'écoutes vraiment... Enfin, j'allais dire la nature, mais ça dépend. Oui, bon. À Paris, pas vraiment, mais... Les klaxons, les gens qui s'insultent. C'est ça, j'adore. C'est un moment de grâce aussi. Johanna, toi, au niveau des lieux, est-ce qu'il y a des lieux dans ta vie qui t'ont particulièrement inspirée? Ou que tu trouves particulièrement beaux, ressourçants et qui peuvent du coup être propices à cette inspiration? Bah déjà, il y a deux lieux, il y a la... Non, trois même. Ok, il y a le bord de la mer en Bretagne. Là, c'est là où je me prends une claque à chaque fois que j'y vais. Je trouve ça tellement beau. Je sais pas, ça me...
j'ai l'impression de justement me que c'est un wake up call aussi, en mode ça me claque, genre quand je suis face à la mer et je peux rester des heures à regarder juste genre à quel point ça va loin. Voilà, c'est super cliché ce que je suis en train de dire. Et le deuxième truc, c'est aussi super cliché, c'est la forêt. Me balader en forêt, c'est vraiment un lieu dans lequel en tout cas significativement pour moi, c'est sur cet album, mon travail de guérison, d'aller mieux et tout, je sais pas, c'est ici que, enfin c'est dans la forêt que j'ai eu des petites révélations en faisant de la rando et aussi à la montagne en été, j'adore. Et tout de suite, on va s'écouter Johanna en live. J'ai peur d'effleurer ton chagrin, tes pleurs coulent sur mes mains. Plus mes gestes sont justes, plus ton cœur s'ajuste sur le rythme. Tu m'as c'est le moment après ce live qui effectivement était incroyable. Johanna, pourquoi t'as choisi cette chanson d'ailleurs? Déjà j'adore la chanter en live. Genre, je sais pas, elle m'emporte. Et j'ai jamais trop fait de chansons comme ça. Et en plus, en vrai, c'est une chanson que j'ai écrite un peu par rapport à un coup de foudre. Donc, attends, mais on y revient du coup là. Du coup, je me suis dit que c'était... c'était dans le thème, quoi. Non, mais pardon, je suis choquée. Voilà, je c'est dis, vrai, mais je suis choquée. Tu chantes tellement de malade, la maîtrise. Ah là là, ça m'a. Voilà, si tu m'as mis une claque dans la gueule, vraiment, c'est. Waouh, merci. Je suis choquée de malade. Franchement, bravo,
t'assures de dingue. Merci beaucoup. T'es vraiment, c'est waouh. Ah. Et vraiment, non, mais par contre, ça fait trop plaisir à chaque fois de rassembler des gens et que genre ça match comme ça et tout. Je suis trop contente. Mais du coup, ça va être un mot de la fin très très positif. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur la fin, sur le fait, j'en sais rien, sur soit de vos actus, soit de le fait d'écouter des signes, soit un petit souhait. Allez-y, c'est votre minute pour dire au revoir. Moi, je veux savoir quand est-ce que tu es en concert, parce que du coup, je vais venir te... Alors du coup, moi, je joue au Trianon le 10 avril. Allez. Et voilà, n'hésitez pas à streamer mon nouvel album Where is the Light. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était super d'être avec vous. Avec immense plaisir. Ouais, merci beaucoup. C'était super de partager ça avec vous. Oui. C'était top. Et regardez Canal Plus le 11 octobre à 22h15. Et en plus, Canal Pew, c'est pour vraiment Canal Pew. Hyper drôle. Donc, c'est toi qui l'as choisi? Ouais. Ou c'est Alexia l'ange gardien? Non, c'est moi, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver de nom pour l'émission. Et en fait, en rigolant, je dis, mais on n'a qu'à dire Canal Pew. Et tout le monde a rigolé. J'ai dit, bon, bah, ok, bah, vendons-le à Canal Plus. Mais en vrai, ça va se crème. Donc, bravo. Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, à ce concert. Merci, Anna. Merci. Canal Pew et à. Là, tout ce que tu fais actuellement, tout ce qui se passe, on te voit partout, encore une fois, dans Paris, affiché. Bah, aller voir les vitrines des galeries. Voilà. Et à Paris, mais dans toute la France aussi. Un peu d'autopromotion, tout n'arrive pas grâce à la chance. Donc voilà, bravo à tous les trois pour votre talent. Bravo à tous les trois pour vos lumières. Je rebondis aussi sur le titre de l'album. Et merci d'avoir honoré cette invitation.